Quels sont les symptômes d'un cerveau-frein défectueux? Un cerveau-frein défectueux peut entraîner une diminution ou une perte de l'assistance au freinage, ce qui peut compromettre la sécurité du conducteur et des passagers. Il est donc primordial de le contrôler. Un bruit anormal lors du freinage, comme un sifflement, un chuchotement ou un grincement, peut indiquer que le cerveau-frein est endommagé ou que le tuyau d'aspiration est percé ou déconnecté. Une distance de freinage plus longue ou une trajectoire instable lors du freinage. Comment tester et réparer un cerveau-frein? Si vous suspectez une défaillance de cerveau-frein, il existe plusieurs méthodes pour le tester et le diagnostiquer. Voici les plus courants. Le test du tuyau d'aspiration. Il consiste à débrancher le tuyau qui relie le cerveau-frein au collecteur d'admission ou à la pompe à vide pour le cas des moteurs diesel et à boucher l'extrémité du tuyau avec le doigt. Ensuite, il faut démarrer le moteur et appuyer sur la pédale de frein. Si la pédale est dure, il ne s'enfonce pas. Cela signifie que le cerveau-frein fonctionne correctement. Si la pédale est molle et s'enfonce facilement, cela signifie que le cerveau-frein est défectueux ou que le tuyau est percé. Le test de la pédale. Il consiste à appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein moteur éteint jusqu'à ce qu'elle devienne dure et ne bouge plus. Ensuite, il faut démarrer le moteur et relâcher la pédale de frein. Si la pédale remonte légèrement, cela signifie que le cerveau-frein fonctionne correctement. Si la pédale ne bouge pas, cela signifie que le cerveau-frein est défectueux ou que le circuit de vide est obstrué ou bouché. Le test du bruit. Il consiste à écouter le bruit du cerveau-frein lorsqu'on appuie sur la pédale de frein, moteur tournant. Si on entend un sifflement ou un chuchotement, cela signifie que le cerveau-frein est défectueux ou que le tuyau d'aspiration est percé. Si on n'entend pas de bruit anormal, cela signifie que le cerveau-frein fonctionne correctement. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez un pouce bleu et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne.